Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans une vidéo qui n'est pas tellement joyeuse, alors que je fais une intro un peu joyeuse. C'est la dernière Shenbox. Ça y est, Shenbox, c'est terminé, et du coup, on a cette dernière boîte mystère qui fait le bruit d'un bâton de pluie. Mais, en plus de ça, dans le petit sachet en question, il y a une des étoiles qu'on lui s'est rentrée, on a le droit à un tapis de souris. Voilà, Yu-Gi-Oh, et ça c'est génial, ça fait plaisir, voilà, c'est le petit tapis de souris, donc c'est cool, ça remplace le truc que j'ai actuellement, ou je vais le garder scellé, je ne sais pas encore, mais voilà, on a déjà, pas encore ouvert la chaîne box, on a déjà un produit Yu-Gi-Oh, c'est déjà cool, dire que c'est la dernière. Allez, on s'ouvre la merveilleuse boîte, Chacha nous régale déjà dès le début, et ça, ça fait vraiment zizir de chez zizir, ça fait quand même quelque chose de... Je vois des choses, moi je vois des choses, voilà ce que je vois, voilà ce que je vois. Les petites entrapes en illustration, Akuma et Miko, qui nous a fait une magnifique du coup illustration avec toutes les entrapes, et ça c'est cool. On est en plus dans une ambiance Noël, c'est normal qu'il y ait des étoiles, mais oui j'ai fait le lien, mon dieu. Même si on va encore avoir du pot artiste, je ne sais pas. On a fait même un petit papier cadeau, ça, ça fait plaisir, le cadeau. Alors, on voit plein de choses. Pour commencer, je vois deux choses déjà qui me plaisent. Un petit autocollant Shenbox qui va rejoindre... les autres, je vous montrerai à la fin de la vidéo, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je voulais les garder de base, mais non. Deux boosters, frère de légende, du coup, qu'on s'ouvre après. Putain, mais c'est un spécial Kuribo, Chacha, je t'aime. Il y a que des Kuribo partout, c'est trop bien. Ah, ça fait plaisir, je sais que Chacha aime aussi beaucoup les Kuribo, donc voilà. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce... On dirait un mini... Il y a un truc qui se met... qui se brode, un truc brodé, vous savez, qu'on colle. Et je suis pas sûr, j'ai peur de l'ouvrir. On dirait le style. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça s'ouvre par là? Je sais pas, je l'ouvre. Dans tous les cas, c'est bien. C'est les Jalapenos qui nous a fait ça. Et oui, non, c'est une autocollant. Mais c'est un truc style jean. J'aime beaucoup, c'est trop beau. C'est un Kuribo, c'est trop beau. Je sais pas encore si je vais potentiellement le mettre sur un jean, sur un sac, je sais pas. Mais il est trop beau. Et un porte-clés Kuribo. Et en porte-clés en plastique mou. Ça, c'est cool. Parce que les porte-clés en dur, des fois, ça se casse. Et là, bah, ça va pas se casser. Et voilà, on a eu la dernière Shenbox. C'était une spéciale Kuribo. Et je sais que Chacha, elle aime les Kuribo. Du coup, bah, ça me fait quelque chose. Je vous avoue, ça me fait quelque chose. Pas de gaffe au bordel qui est derrière. En plus, j'ai même mis, pour l'occasion, le sac Shenbox. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos courses Shenbox. Je regarde le retour au lieu de... Du coup, résumé. Du full Kuribo avec une petite truc and trap, le tapis de souris, faut pas oublier, le stickers, le truc à jean, je sais pas, je pense, pour moi c'est un autocollant style jean, ou alors c'est juste un autocollant, je sais pas, mais c'est bien, j'ai l'impression, je sais pas trop, Chacha nous dira dans les commentaires comme d'habitude, et enfin, on s'ouvre les boosters, et après on va parler plus sérieusement après. Alors, on a réussi à sortir une dragoon sur une display. C'est vraiment abusé de chez abusé qu'on sorte encore une dinguerie. Et une ultra mission de capture Kaiju. Bah oui, de toute façon, il n'y a que des ultras dedans. ZW vent Slifid. Un Kuriba. Miroir de glace. Et c'est une secret. Altergeist en secret. Et pour la suite, nous avons un arc démon du monde mental. Croc caché de la vengeance, dragon étoile filante, combativité Inister, choix de la renaissance en secret. Voilà, voilà. Bon, je suis content, on a eu un petit Kuribo, comme ça on reste dans le thème, on a eu le Kuriba. Et ça, c'est cool. Alors, il faut juste savoir que j'aime beaucoup jouer la guitare, et que du coup, depuis le début, il y a des petits autocollants comme ça, comme celui de Shenbox qu'on a là, le Kuribo qui est là, le Kurivolt qui est là. Enfin, voilà, il y a des petits autocollants que j'ai mis, et donc, ben, celui-ci, le dernier. Kuribo avec Shenbox, va rester là pour que Shenbox m'accompagne, même dans la musique les plus belles. Bref, si j'ai une chose à vous dire pour terminer cette vidéo, c'est que j'ai passé un an et demi, du coup, à ouvrir des Shenbox avec un immense plaisir. C'était juste dingue, c'était un truc de fou de les recevoir, de découvrir ce qu'on allait avoir de façon mystère. C'était vraiment avoir une Woodbox, mais en mode spécial 100% Yu-Gi-Oh! Sharon a fait un travail de dingue dessus. N'hésitez pas, hein, les réseaux sociaux, tout ça, vous allez la suivre. Sa boutique reste ouverte, donc pareil, n'hésitez pas à aller faire vos achats là-bas. Ça a fait chier. Je vous cache pas, ça me fait chier que Shenbox, ça s'arrête. Et ça s'arrête, entre guillemets, d'une façon où on peut dire que toutes les bonnes choses ont une fin, mais c'est pas pour autant qu'on veut la fin des bonnes choses.
Voilà, ce sera mon mot de la fin. J'ai pas envie non plus de faire une vidéo où je vais faire du ouin ouin dessus en pleurant. Sharon sait très bien ce que je pense de son travail. J'ai été là dès les premières et j'ai été là jusque la dernière. Et si un jour ça reprend, pourquoi pas, je serai présent. Et avec un grand plaisir. En tout cas, merci à toi, Chacha, pour tout ce que t'as fait. C'est un travail de dingue. Voilà. C'est juste envie de dire, on est tous les deux Team Kuribo, on est tous les deux Team Shenbox. Bisous, Chacha.